Bonjour, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour l'équipe qui cause sous fiscalité. Mettez ensemble avec l'équipe Jolie Photo pour porter une vidéo pour vous. Côté vous avez une bonne information et connaissance sous fiscalité. Non pas M. Cole et Edwin Sestima. Je dis nous allons parler de fiscalité. Nous allons voir qui s'en lie, origine et tout qui va lier. Il y a plusieurs façons de définir fiscalité. Ça dépend de dans quel domaine on parle et dans quel contexte. Dans le contexte de l'émission, ça. Fiscalité a désigné ensemble imposition, ensemble contribution, ensemble taxe qui est en vigueur dans une société à un moment donné. Comme ça, tout, il désigne ensemble règles qu'il a avec tout le dispositif qu'il a pour permettre de ramasser ensemble contribution, ensemble imposition et puis ensemble taxe. Il y a plusieurs façons de raconter l'histoire de fiscalité. Et après qui chita sur histoire avec politique, gen ça qui chita sur histoire avec religion, gen ça tout qui chita sur politique avec économie. Gen on seule trajectoire, c'est que fiscalité a li prend naissance depuis la première forme communauté sédentarisée qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Parce que justement, le fait que moun yo t'ait décidé de choisir une portion de territoire pour rester vivre pendant un certain temps, ça te permet que yo institué des autorités, des moun qui là pour veiller sur rapport qu'a gagné dans la communauté tout mais protéger contre éventuel envahissement de l'autre communauté. Maintenant moun sa le fait que était destiné uniquement pour travailler pour communauté et mais même communauté était vienne gain relevance envers moun sa. Et bien justement tout monde était gain pour contribuer en façon ou l'autre pour permettre que moun sa non seulement prend soin tête mais tout occuper famille et puis l'autre monde qui était vienne porter main forte dans mission que communauté a te barre. Eh bien, justement, par rapport à la définition de la fiscalité, il y a un ensemble de dispositions qui sont mises en place pour ramasser la contribution. D'où l'existence de la fiscalité. Eh bien, la fiscalité a tout, elle est dynamique, est très très dynamique. Elle évolue non seulement avec la forme société, elle évolue avec l'histoire, elle évolue avec la forme de l'État et elle suit tout la dynamique économique. C'est ça que fait journée aujourd'hui. Nous venons dans différents pays. Dans le monde là, des fiscalités qui super complexes et qui très très bien organisées. À l'origine, j'aime ça t'expliquer là, fiscalité a une fonction. C'est permettre que l'autorité qui est instituée dans la société ou bien dans la communauté à un moment donné, j'ai un moyen pour répondre à l'exigence, mission que la communauté ou bien la société a confiée. Ça veut dire permettre d'assurer des dépenses publiques. Mais avec évolution société, évolution économie, évolution l'État. Okay? Donc, fiscalité a vingé l'autre fonction encore. Vingé deux fonctions associées à fiscalité moderne, qui sont une fonction économique et une fonction sociale. Fonction économique, là, c'est que l'État doit utiliser fiscalité à travers ensemble dispositifs qui constituent l'eau pour influencer le comportement agent économique. Par exemple, l'État doit utiliser la fiscalité pour encourager les gens à investir dans un secteur bien particulier dans l'économie ou bien influencer les ménages qui ont tel comportement économique par rapport à tel produit. Par exemple, en Haïti, nous avons un code des investissements qui bâille des avantages fiscaux qui permettent que les investisseurs aillent vers le secteur tant que tourisme, production agricole ou bien production industrielle. La fonction sociale, là, c'est que l'État doit utiliser la fiscalité pour essayer de réduire l'inégalité sociale. Par exemple, il doit utiliser des barèmes qui permettent que les gens qui gagnent plus d'argent payent plus d'impôts, les gens qui gagnent moins d'impôts payent moins d'impôts. Justement, pour essayer de permettre que les gens qui gagnent moins de moyens disposent d'un plus bon pouvoir d'achat que si ils étaient payés sous même proportion ou bien sous un taux fixe, même avec les gens qui gagnent un peu d'argent. Dans la vidéo, ça, nous allons parler de fiscalité. Nous voyons qui s'allie, origine. Et qui principale fonction li gen dans la société moderne. Pas oublier, abonnez channel là, c'est pour qu'on fait ça pendant que vous regardez la vidéo. Et surtout, activez la cloche notification pour les nouvelles vidéos tomber pour YouTube qui notifie. Merci.